français parlent au français. Alexis. Ouais, alors moi je suis allé non pas à Montbéliard mais à Metz pour décerner un flop à Jean-Luc Mélenchon qui lors d'un emporté par sa foule de tribuns lors d'un meeting a qualifié Marine Le Pen ou traité Marine Le Pen de baudruche, de chauve-souris et surtout de semi-démente. Ce qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ah, hein. Oui, chauve-souris, ça, ouais. C'est la fontaine. Je suis oiseau, oui. Voyez mes ailes. Je suis souris, vive les rats. Donc c'est la culture de. Donc, d'Alexis. Chauve-souris, c'était une référence littéraire semi-démente. Oui. C'est moins littéraire. Voilà. Du coup, il y a un lieutenant de Mélenchon qui dit que c'est très maladroit. Il ne faut pas injurier les gens. Marine Le Pen, il faut démonter ses arguments. Bah oui. Et puis ça donne l'occasion à Marine Le Pen de lui répondre, de lui renvoyer l'affaire en boomerang. Ce qu'on va regarder, ce qu'elle fait plutôt bien. Ça, c'est du cinéma. C'est un grand comédien, M. Mélenchon. Il éructe, il menace, il insulte devant les caméras. Mais hors caméra, c'est un homme charmant, affable, presque un petit garçon. Et il y a une séquence d'ailleurs où on les voit discuter et ensemble. Et c'est à ça qu'elle fait référence, cette fameuse séquence. On les voit discuter à Strasbourg où ils ont l'air de ne pas s'entendre si mal. Évidemment, elle joue là-dessus. Et finalement, c'est elle qui marque le point. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.